Merci infiniment Frédéric. Je remercie beaucoup Frédéric Duval, non seulement de procéder à la distribution, mais surtout de m'avoir invité ici. Je suis très très flatté d'être ici à l'École des Chartes. Je remercie également la direction et je tâcherai de me montrer digne de cet honneur. J'aimerais dédier cette conférence à mon grand-père qui, quand j'étais encore petit et montrait quelques signes d'intérêt pour l'histoire, m'avait dit, mais tu vois, la meilleure école où tu puisses aller, j'aimerais que tu fasses ça plus tard, j'aimerais que tu ailles à l'École des Chartes. Alors, je n'y ai pas été étudiant, mais j'y suis maintenant grâce à vous. Merci beaucoup. Et donc, mon grand-père serait très content. La question de la mode dessinée, c'est un de mes chevaux de bataille. Effectivement, dans mon intérêt pour la... C'est un intérêt qui, tout comme le souvenir de mon grand-père, bien sûr, rejoint mon enfance. Et c'est peut-être même à la mode dessinée que je dois ma vocation de médiéviste. Je me souviens en effet, j'ai retrouvé d'ailleurs un volume, il y a 15 jours à Paris, un volume du journal de Mickey, dans lequel il y avait, vous savez... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, mais vous avez les plus âgés d'entre nous se souviennent que dans le journal, s'ils lisaient le journal de Mickey, qu'il y avait une série qui s'appelait Mickey à travers les siècles. Et quand j'avais 4 ans, j'étais tombé sur un épisode qui s'appelait La chanson de Roland, donc pas de Roland, et qui racontait comment Mickey, en 888, avait aidé le comte Eudes à sauver Paris, assiégé par les Vikings. Le comte Eudes avait une tête à la Gary Cooper, et je ne peux plus m'imaginer maintenant même Roland, le Roland de la chanson de Roland, sans une tête un peu à la Gary Cooper. On peut imaginer pire, évidemment, mais je pense que cette bande dessinée a eu un rôle décisif sur ma vocation de médiéviste. Et donc, j'ai toujours aimé la bande dessinée. Longtemps, j'ai pensé que ce n'était qu'un beau rêve d'être à la fois universitaire et amateur de BD. Et finalement, c'est un rêve que je concrétise un peu en essayant de voir comment ces deux intérêts apparemment très divergents peuvent se réunir. Quand Frédéric Duval m'a invité, je ne savais pas très bien quoi faire. J'avoue, c'est lui-même qui m'a dit, mais tu t'intéresses à la BD au Moyen-Âge, non? Je lui ai dit, oui, mais alors pourquoi pas ta conférence là-dessus? Je ne sais pas si j'aurais osé tout seul proposer ce sujet, mais ce sujet qui m'est cher, eh bien, j'ai essayé de le rendre pas trop badin, et je vais essayer de vous en parler d'une manière qui puisse intéresser des chartistes, ce qui évidemment n'est peut-être pas immédiatement donné. Et donc j'ai quand même à vous proposer aussi quelques jolis manuscrits médiévaux. Je commence tout de suite une page que vous connaissez peut-être. C'est une page de la Bible de Étienne Harding, un manuscrit enluminé entre 1109 et 1111 à peu près, une datation assez précise. J'aurais pu vous mettre beaucoup d'autres choses, j'aurais pu vous mettre la sempiternelle tapisserie ou broderie de Bayeux. On en verra d'ailleurs un extrait un peu plus tard. J'ai préféré commencer par cette page du manuscrit de la Bible d'Étienne Harding, car c'est quand même assez stupéfiant. Il n'existe aucune autre page enluminée du Moyen Âge qui, à ce point, puisse ressembler à de la bande dessinée. Vous voyez, et même à de la bande dessinée très moderne, puisque vous voyez non seulement qu'il y a des cases le long de bandes, ce qu'on appellerait un gaufrier à 5 bandes, mais que ce gaufrier est même un petit peu éclaté vers le haut, avec ce personnage très tapisserie de Bayeux, qui sort des cases, comme dans certaines BD très modernes des années 70. Hein, donc nous avons là un exemple hyperbolique de ce que le Moyen-Âge, finalement, à certaines occasions, pouvait s'approcher de très près de ce que nous nommons aujourd'hui la bande dessinée. Donc cet exemple montre bien que nous met sur la piste d'une analogie possible entre les modes représentatifs, les régimes de représentation du Moyen Âge et ceux de notre modernité, en particulier dans la bande dessinée. Donc vous voyez aussi que cette page est en couleur. Elle comprend des textes dont visiblement certains sont ce qu'on appellerait des récitatifs dans des phylactères, et même d'autres sont à l'intérieur de l'image. Alors, il n'y a pas tout à fait des bulles, mais c'est tout comme, c'est un peu petit, hein, ceux qui sont au fond de la salle le voient peut-être pas bien, mais disons, je crois que c'est quand même suggestif. Cette combinaison du texte et de l'image, c'est la définition même de la bande dessinée. Et pour
commencer cette conférence, une définition minimale mais suffisante, me semble importante. C'est une définition donnée par celui que l'on considère généralement comme l'inventeur de la bande dessinée moderne, le Genevois Rodolphe Töpffer, dont les travaux dès la fin des années 1820 avaient été admirés par Goethe. C'est assez extraordinaire de voir Goethe dans les conversations avec Eckermann dire ce petit Töpffer fait des choses très bien, vraiment, et ce médium, cette façon de faire a plein d'avenir. Qu'est-ce que ce sera quand il s'intéressera à des sujets moins frivoles? Et oui, donc Töpffer est le premier dessinateur de BD et Goethe le premier critique de bande dessinée, ce n'est pas tout à fait rien. Cette définition de Rodolphe Töpffer, la voici. Et je crois que depuis presque 200 ans qu'on a essayé de raffiner la définition de la bande dessinée, parlons disons de la bande dessinée de type européen, hein, je ne parlerai pratiquement que de bande dessinée francophone ici, depuis qu'on a inventé la bande dessinée, il ne me semble pas qu'on ait fait beaucoup mieux comme définition. Töpffer décrit son propre travail en disant « Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure, le texte sans les dessins ne signifierait rien. » Alors, on peut tout à fait imaginer des BD sans texte, mais on ne peut pas imaginer de BD sans narration. Et je reviens à ce que M. le directeur disait tout à l'heure, effectivement, il y a un retour de la narration dans la bande dessinée. Donc, on peut estimer qu'une BD, même sans texte, par le simple fait de la succession des images, sous-entend un texte, sous-entend au moins une narration, et de ce point de vue-là, j'élargirais la définition de Töpffer. Et c'est précisément ce que j'aimerais tout simplement montrer. Le Moyen-Âge, plus, je crois, que d'autres périodes de l'histoire de notre civilisation, a compris qu'il y avait dans cette double postulation vers l'image et vers le récit narratif, quelque chose qui était profondément susceptible de faire sens. Je vous ai promis quelques manuscrits médiévaux. Voici sur la... Donc nous sommes sur la diapositive numéro 4, hein, vous avez les références sous les yeux. Deux illustrations bien connues des médiévistes, sans doute plus d'ailleurs que la Bible de Harding. D'une part la Bible de Souvigny, fin 12e siècle, nous sommes un tout petit siècle après la Bible d'Harding. Et une autre Bible, plutôt une Apocalypse, un peu plus ancienne, 11e siècle, l'Apocalypse du Beatus de Saint-Sévère. Vous savez peut-être qu'un ancien chartiste fort célèbre, à savoir Georges Bataille, a beaucoup travaillé sur cette Apocalypse de Saint-Sévère. Ici, le premier exemple est un bel exemple avec également des bandes. La question des cases est peut-être un peu moins bien montrée, et effectivement le texte n'est pas à l'intérieur de l'image. Dans le second exemple, le texte est bien à l'intérieur de l'image, mais l'interférence entre les bandes est peut-être un petit peu plus lâche. Trouver des exemples absolument parfaits n'est quand même pas extrêmement simple. Le Moyen-Âge, ce n'est pas seulement le Moyen-Âge européen. Dans le Moyen-Âge proche-oriental, vous aviez aussi quelques représentations qui pouvaient se rapprocher de la bande dessinée. Ici, pour les tatinophiles, je rappellerai que la fameuse bataille de Tzile et Rum dans le sceptre d'Ottokar, cette mythique bataille entre les Turcs et les Sildaves, prend évidemment son modèle dans les illustrations du Shahnameh de Firdousi, un texte du début du XIe siècle. Ici, d'après une miniature du 15e, 16e siècle. Je crois que là, on voit une inspiration assez directe. Donc, les dessinateurs de BD, et ça m'introduit à ce qui sera le vif de mon sujet, à savoir que beaucoup de dessinateurs de BD n'ont pas été insensibles à l'art des miniaturistes anciens. Si ici l'exemple est, si j'ose dire, mauvais, puisque finalement nous avons une illustration en pleine page où Hergé précisément sort du régime bande dessinée pour aller vers un régime illustratif de type médiéval, même si ce n'est pas médiéval occidental, cela illustre, me semble-t-il, assez bien tout de même cette attirance. Et surtout, et je vais déjà tout de suite insister là-dessus, qu'est-ce qu'il y a de frappant dans la reprise par Hergé de ce style de miniature? Dans le fond, vous voyez que, bon, c'est pas tout à fait la même chose. La miniature de Hergé, si j'ose dire, est déjà plus lisible que la miniature persane. Elle est un peu moins encombrée.
selon un principe que tous les amateurs de BD connaissent bien, c'est ce que l'on a appelé la ligne claire, c'est-à-dire cette fameuse façon d'entourer, de donner des contours absolument parfaits à tous ces objets et personnages qui a fait le classicisme du style de Hergé. Il n'empêche que cette ligne claire, ici, rend un hommage appuyé à un style miniaturiste médiéval. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a incontestablement entre la BD et la représentation médiévale quelque chose qui va disparaître de la représentation occidentale à partir de la Renaissance, à partir de l'invention de la perspective et également à partir de l'exigence de mimétisme et de ressemblance qui se fait jour à partir du XVe siècle. L'art occidental va finalement se déprendre de cette simplicité schématique. Enfin, je crois que les choses sont tout à fait claires si on prend des exemples purement médiévaux. C'est ce schématisme de la représentation qui, très précisément, va séduire les auteurs de bandes dessinées quand ils vont s'en inspirer, mais aussi, si j'ose dire, sans qu'ils aient besoin de s'en inspirer, c'est les relations finalement entre une façon schématique de représenter la réalité ou la narration. Font se donner la main le Moyen-Âge et la modernité à partir du 19e siècle. Monsieur le directeur vient de rappeler ces objets d'étude qui vont tout à fait dans ce sens, le néo-vitrail, on pourrait parler aussi du style pré-raphaélite à certains égards, qui a eu beaucoup d'influence sur la BD américaine, par exemple. Les modes de représentation de la peinture du 19e et du 20e siècle, qui vont renoncer au réalisme, renoncer à la perspective, et réinventer un nouveau type de schématisme, vont se trouver de nouveau en phase avec la représentation médiévale. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, finalement, est en quelque sorte un cas particulier de cette rencontre par-delà les siècles, mais aussi, si je puis me permettre, un cas d'école, dans la mesure où, précisément, la BD, même quand elle n'y pense pas forcément, va nous montrer en quoi, au-delà des pratiques artistiques, peut-être, une époque comme le Moyen-Âge, peut-être souterrainement et étrangement proche de la nôtre, par-delà les siècles classiques. Quelques autres parallèles qui m'ont semblé frappants. Vous connaissez tous, bien sûr, le livre de Villard de Honnecourt, livre que Jean Wirth lui a consacré aux éditions Drôle, ça vient de sortir. Jean Wirth donc antédate légèrement le livre de Villard de Honnecourt, on le pensait des années 1230, Jean Wirth le date plutôt des années 1220, et je trouvais amusant ici de mettre en parallèle cette page de croquis où on voit très bien comment marche le schématisme médiéval, c'est-à-dire il se construit évidemment sur des jeux de proportions simples qui aident à construire des figures ou des animaux, non pas pour en faire des figures absolument mimétiques, mais pour en faire des figures emblématiques. On le voit très bien avec l'aigle, là, qui ressemble finalement plus à un aigle héraldique qu'à un aigle qu'on aurait observé au Jardin des Plantes. Et, de manière un peu ludique, je mets cela en parallèle avec une page de croquis d'un dessinateur de bande dessinée fort célèbre. Vous aurez sans doute reconnu Edgar P. Jacobs, des croquis ici pour l'énigme de l'Atlantide, une BD de 1957. Je pourrais aussi mettre en parallèle Villard de Honnecourt avec des dessinateurs plus comiques. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous donner une page de la fameuse rubrique à braque de Gottlieb, qui évidemment parodie la façon de faire des écoles d'art, mais aussi finalement renoue avec cette espèce de simplification des proportions auxquelles nous a habitués, par exemple, un Villard de Honnecourt. Vous le voyez, évidemment, la parodie de Gottlieb se voit tout de suite dans les deuxième et troisième cases, mais c'est très intéressant parce que l'absurdité de ce qu'il dit nous montre bien que la BD n'est justement pas le dessin anatomique. Vous voyez, attention, pour arriver au chef-d'œuvre ci-dessous, vous voyez, ce personnage qui ne ressemble à rien, qui n'a aucune proportion et qui a un papillon grotesque,
Gottlieb nous dit, il faut une connaissance approfondie de l'anatomie, ici charpente osseuse, ayant servi à la construction du personnage. Évidemment, cette charpente osseuse n'a servi à rien du tout, sinon à faire un gag dans cette bande dessinée. Gottlieb nous montre par l'absurde que la connaissance de l'anatomie est inutile dans la bande dessinée. Et alors, des proportions ici, voyez d'ailleurs le fameux modèle de Léonard de Vinci, dont Gottlieb nous dit que c'est un modèle martien assez difficile à dénicher de nos jours. Mais, blague à part, vous reconnaissez, si vous vous souvenez de la page que je vous ai montré de Villard de Honnecourt, ses proportions. Alors, selon Gottlieb, vous voyez une tête égale 3, un corps égale 3 têtes, une tête égale 2 mains, une main égale 3 yeux, un œil égale 3 ongles d'orteil, un ongle d'orteil égale 2 nombrils. Voilà, comme ça, vous pouvez évidemment construire des personnages parfaitement anatomiques. Encore une fois, par l'absurde, la mode dessinée nous montre qu'un certain type d'approximation est seul à lui convenir. J'introduis maintenant ce qui sera un peu la base de mon sujet. Je reste toujours, si vous me le permettez, dans la rubrique Abrac de Gottlieb. Vous vous souvenez peut-être de ce magnifique film des années 70 de Pierre Tchernia sur scénario de Goscinny qui s'appelait Le Viager. Dans ce film, pour expliquer ce que c'est qu'un viager, on nous l'explique avec des dessins. Et comme Goscinny, le scénariste du film, était aussi le mentor des dessinateurs du journal Pilote et le scénariste de Gottlieb, il avait demandé à Gottlieb d'illustrer par des dessins ce que c'est que le viager. Et Gottlieb avait voulu faire une parodie du travail qu'il avait lui-même fait, c'est-à-dire qu'il va se livrer ici à une mise en abîme de son propre travail. Dans le film, vous avez le film, donc des images filmiques, des images photographiques, des images mimétiques, évidemment, par force, puisque c'est de la photo animée, et dans le film, ces dessins servaient à illustrer en abîme ce que c'était qu'un viager. Il reprend, vous le voyez, le même dispositif, mais il l'inverse. Le récit cadre, qui est le film, est fait, vous le voyez en bas, en dessin enfantin. Et ce que j'appellerais le réalisme gottliebien sert, au contraire, à illustrer, enfin, sert de la même manière à illustrer à l'intérieur du récit le principe du viager, mais, en fait, les valeurs sont inversées. Le récit cadre qui était photographique et dans lequel le récit BD indiquait un schématisme, c'est le récit cadre ici qui est enfantin et le schématisme est de son côté, alors que le récit interne d'explication est dans un style BD qui apparaît très réaliste par rapport au style enfantin. Donc c'est un procédé particulièrement retors de la part de Gottlieb de nous dire finalement le réalisme n'est peut-être pas toujours là où on le croit. Et dans le fond, ce qui est important, plutôt que de dire qu'il y a un style qui est réaliste et un autre qui ne l'est pas, peut-être de dire que au fond, tous les styles sont de convention. Et même le mimétisme de la peinture occidentale est une convention. La perspective est une convention. Tout l'illusionnisme de l'art occidental du XVIe au XIXe siècle est aussi une convention, et par là même, une convention aussi révocable que pouvait l'être ou l'avoir été les styles de l'Antiquité et du Moyen-Âge. J'arrive maintenant au cœur de mon sujet, qui est de vous montrer comment... Alors, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous faire un exposé complet sur bande dessinée et Moyen-Âge. Ou plus exactement, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous donner mon opinion sur la question. En disant tout de suite que le grand livre... sur la grande synthèse sur les rapports de la bande dessinée du Moyen-Âge reste à faire. Nous avons pour le cinéma et le Moyen-Âge l'admirable livre de François-Ami de la Bretèque qui est évidemment insurpassable et qui est un modèle et dans mes moments d'euphorie je me dis que j'aimerais un jour faire ce livre pour la bande dessinée, mais pour l'instant ce livre n'existe pas encore, il n'existera peut-être jamais. Il y a des difficultés déjà lié au fait que la bande dessinée est sans doute malgré tout, quoi qu'on en ait, un médium moins universel que le cinéma. Puisque finalement, le cinéma américain s'est complètement imposé chez nous. Il a influencé le cinéma français. Tous les cinémas nationaux, finalement, sont une partie du cinéma en général. La BD, par contre, est un art qui se traduit mal
et qui a généré des quelques traditions nationales qui discutent assez peu entre elles, finalement. La BD américaine a été, oui, a évidemment beaucoup influencé la BD française, mais la BD francophone, a gardé ses codes. De même, le manga, on a aujourd'hui une certaine influence du manga sur les BD francophones, mais là aussi, les codes restent quand même assez cloisonnés, je dirais. Et donc, j'avoue que pour ma part, j'en suis surtout resté à la BD d'expression francophone. Je l'argumenterai d'ailleurs par ailleurs quant au fait que, curieusement, la bande dessinée américaine, sinon qu'elle a quand même donné une influence décisive à la BD médiévalisante francophone par Prince Valiant, qui en 1937 est la première grande BD médiévalisante, mais en fait, à part cette première grande bande dessinée, la BD américaine n'a quasiment pas influencé la représentation du Moyen-Âge dans la BD francophone, qui à partir des années 40, et à partir quand même de l'exemple de Prince Valiant, s'est développée, je dirais, relativement en vase clos. Et donc, à part Prince Valiant, nous ne connaissons presque pas ce qui se fait de médiévalisant en Amérique. Par ailleurs, justement, je parlais du cinéma, alors que le cinéma médiévalisant américain a influencé toute notre représentation européenne du Moyen-Âge, je ne sache pas que le Moyen-Âge a eu un tel succès en BD, alors qu'au cinéma, ce succès a été immense. Donc, ceci pour m'excuser d'en rester essentiellement à la BD francophone, qui, me semble-t-il, a des codes bien précis, peu transposables. En tout cas, l'influence de la BD francophone sur la BD américaine, à part sur quelques productions un peu marginales d'aujourd'hui, on peut le dire à peu près nulle. Donc, je vais m'en tenir à la BD d'expression francophone. Et juste pour donner un cadre, avant de revenir au dossier iconographique, je dirais qu'à mon sens, la bande dessinée francophone s'est développée en trois périodes. Une première période va des années 40, c'est-à-dire de la découverte de Prince Valiant, et aussi de l'osmose qui se fait entre ce modèle américain et des traditions européennes bien vivaces. Et, Daniel Alexandre Bidon, qui est ici, s'y connaît beaucoup mieux que moi sur tout ce qui est illustration du Moyen-Âge, du 19e siècle à nos jours, et tout ce qui a pu influencer la bande dessinée, et tout ce qui est aussi dans la bande dessinée francophone n'a pas été publié, je m'en tiens, je l'avoue, surtout à ce qui est encore trouvable aujourd'hui en album. Donc il se fait dans les années 40 une osmose entre une représentation déjà pluriséculaire du Moyen-Âge dans les médias de masse, enfin disons dans les médias populaires européens, et le Prince Valiant américain. Et je dirais, mais je vais aller très vite car j'aimerais construire ma conférence sur d'autres éléments, mais entre les années 40 et la fin des années 60, la représentation du Moyen-Âge dans la bande dessinée francophone bouge relativement peu. Nous sommes dans la période que j'appellerais idéaliste de la représentation du Moyen-Âge, liée au fait que la BD, pendant ces années-là, reste quelque chose de, sinon marginal, du moins de dévalorisé, de plutôt réservé à des productions populaires, plutôt décriées par les savants. Et donc la BD, pendant cette période-là, est le réceptacle de tout un imaginaire très traditionnaliste, des images du Moyen-Âge, d'un Moyen-Âge que je dirais plutôt rose, le preux chevalier, l'amour courtois, la jeune fille à sauver, le vilain traître à châtier, tout un tas de représentations qui, pour rester en domaine français, sont républicaines, catholiques, plutôt bien pensantes, et qui véhiculent un Moyen-Âge assez conventionnel, bien que, dans certaines bandes dessinées, par exemple celle des frères, celle de Liliane et Fred Funken, un effort réel vers la documentation précise se fasse déjà clairement jour. Puis à partir des années 70, évidemment, c'est l'explosion, tout le monde le sait, de ce qu'on appelle la nouvelle histoire, et le Moyen-Âge, la représentation populaire du Moyen-Âge,
au moment même où la BD devient un art auquel commencent de s'intéresser les gens sérieux, si j'ose dire, la BD, à partir des années 70, devient beaucoup mieux documentée. Et surtout, on essaye de casser avec les représentations idéalisées à l'ancienne, de briser avec le catholicisme bien pensant, de représenter un Moyen-Âge plus noir, plus sombre, avec des personnages plus ambigu. On voit d'ailleurs la même chose dans le cinéma de cette époque-là, et même déjà dans les années 60. Je vous renvoie pour cela au livre de François-Amile Labretec. On voit que les représentations deviennent plus complexes, et sous l'influence d'une documentation historique beaucoup plus forte, des bandes dessinées qui n'hésitent plus à nous montrer des personnages ambigus, des personnages qui pataugent dans la boue, qui se confrontent à un Moyen-Âge plus rude, plus historiquement, moins complaisant, si j'ose dire. Et ce grand engouement pour la BD historique va rejaillir même sur les séries qui sont censées se passer dans des temps légendaires. On va historiciser l'époque de Charlemagne quand on parlera des chansons de geste. On va historiciser l'époque du roi Arthur. On va avoir des BD qui vont se passer à la fin de l'Empire romain parce que c'est soi-disant l'époque d'Arthur. Et donc tout cela va, ce deuxième moment historique de la BD médiévalisante francophone va durer jusqu'aux années 90. Et puis dans les années 90, début de la troisième période, période syncrétique, influencée dans un premier temps par la science-fiction et puis surtout par l'heroic fantasy que je décrirais comme une magie-fiction par opposition à la science-fiction. Et vous savez, je n'ai pas besoin d'expliquer ou d'exemplifier la prégnance aujourd'hui de l'heroic fantasy. Vous la trouvez évidemment chez Tolkien, chez George Martin, The Game of Thrones, bien sûr. Donc, des représentations qui vont métisser et hybrider ce Moyen-Âge en BD, jusqu'à le rendre tout à fait méconnaissable. Aujourd'hui, je dirais depuis une quinzaine d'années, nous sommes dans une hybridation sauvage, avec des BD qui continuent d'avoir un fond historique, mais qui n'hésitent pas à mettre des zombies, voire des aliens dedans. D'autres BD qui hybrident aussi le comique et le sérieux. Depuis une vingtaine d'années, l'école dite de l'association a cassé les codes de ce qui était avant, jusqu'aux années 90, une BD sérieuse était nécessairement des réaliste, une BD comique nécessairement en dessin très simplifié, ces codes-là aujourd'hui sont complètement brouillés. Et donc nous vivons dans une période de syncrétisme qui est assez difficile à définir, mais qui est clairement le troisième âge du Moyen-Âge en BD. Donc voilà pour cette tripartition historique extrêmement simple, extrêmement schématique. Évidemment, dès les années 60, on commence à problématiser ces sujets, l'histoire commence à s'immiscer, et aujourd'hui encore, on trouverait des BD assez classiquement historiques, donc ne prenez pas cette tripartition comme quelque chose d'absolument figé, mais disons, c'est une tendance qui me semble assez claire sur ces trois étapes. Je vais surtout m'intéresser aujourd'hui à la troisième de ces étapes pour une raison assez évidente, c'est que justement c'est l'étape d'une bande dessinée que je dirais définitivement adulte, définitivement admise dans les cercles les plus sérieux, si j'ose dire. La BD a passé son adolescence, la BD est maintenant adulte, non pas comme on le croyait dans les années 60 où dans le fond ce qu'on appelait la BD adulte n'était rien d'autre que de la BD pornographique, et donc on a heureusement dépassé ce stade où BD adulte signifie BD à ne pas mettre entre toutes les mains. La BD vraiment adulte aujourd'hui est une BD qui est un média à part complète, qui est à l'égal de la peinture, du roman ou du cinéma, une façon de nous raconter des choses et une façon de faire de l'art de manière absolument complète, si j'ose dire. Alors, pour prendre un premier exemple, une BD qui m'est chère parce que c'est Les Helvétiques au Corto Maltese en Suisse, et c'est une BD que j'aime beaucoup parce que vous savez que Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese, est mort, a passé les 20 dernières années de sa vie en Suisse, il y est mort, et il est une des relativement rares personnes à avoir compris que la Suisse n'était pas seulement un pays très lisse, très simple, où on n'avait fait que des coucous comme disait Orson Welles, mais que derrière cette façade très lisse, il y avait un monde de tradition populaire assez trouble et assez étrange. Et dans cette bande dessinée où on voit Corto Maltese, le fameux héros de Hugo Pratt, justement en Suisse, au début du XXe siècle, il rencontre Hermann Hesse,
Vous savez, Corto Maltese est féru de tous les occultismes possibles. Et donc, c'est dans les années 1920, et il découvre à travers des personnages du Moyen-Âge des histoires tout à fait curieuses qui sont liées au Moyen-Âge allemand. Et vous voyez ici, Corto Maltese se trouve face à un mur. Et sur ce mur, on voit des personnages plus ou moins inspirés de gravures allemandes du XVe siècle. Donc, ce que fait Hugo Pratt ici, c'est de superposer un personnage en réalisme prattien, si j'ose dire, je parlais tout à l'heure du réalisme gottliebien, c'est-à-dire chaque dessinateur de BD a son propre réalisme, et il met son propre réalisme en dialogue avec la miniature, ou plutôt la gravure sur bois médiévale. Et donc on voit très bien ici cette confrontation de deux régimes d'images, une que l'on pourrait dire en retrait, presque en bas-relief, même évidemment si l'image est plate, mais on voit bien que Corto Maltese, il est légèrement moins plat, hein, il est ombré, il est moins plat quand même que la représentation qui est au centre. Et vous voyez sur la deuxième case que, en fait, bon, j'aurais dû vous montrer toute la BD, mais on n'en aurait pas fini. Le petit personnage au milieu est un personnage que Corto Maltese a en fait rencontré dans la vie réelle, si j'ose dire. Et ce personnage de la diégèse est devenu un personnage interne à l'histoire racontée. Et donc, ce voyage que fait ce personnage entre le monde raconté et le monde figuré à l'intérieur du récit, donc le premier et le second monde, c'est un procédé, si j'ose dire, un peu allégorique, hein, et tous les spécialistes du Moyen-Âge ici auront évidemment eu une pensée en voyant cette illustration pour Guillaume de Loris, ou plus exactement, le narrateur du roman de la Rose, qui se trouve tout d'un coup face au mur du verger de Déduit, devant lequel il voit des vices et des vertus peints sur ce mur. Il va pénétrer dans ce jardin merveilleux pour y chercher la rose. Et donc, sans peut-être le vouloir, Hugo Pratt ici nous montre à quel point la mode dessinée peut nous rendre sensible ce décrochage narratif qui est finalement très médiéval entre un monde premier et un monde allégorique. Et avec ce personnage, et vous le voyez, c'est intéressant ce que dit ce personnage, pourquoi ? Vous rendez-vous compte que votre incrédulité me chasse dans le monde de l'imaginaire et que je ne pourrai plus en sortir ? C'est-à-dire que, à l'intérieur de ce monde imaginaire de Corto Maltese, il y a un second monde imaginaire qui est la mise en abîme de la bande dessinée par elle-même. Et ici encore, je crois que l'idée de prendre une représentation médiévale, tardo-médiévale, mais médiévale quand même, ne me semble pas tout à fait innocente. Couverture ici, j'en suis donc à la diapositive numéro 10 pour reprendre la feuille que je vous ai donnée, dans une série qui s'appelle Les Tours de Bois Mourri, l'épisode numéro 7, William. C'est pas Guillaume le Conquérant, c'est un guerrier qui porte aussi le nom de William, c'est une génération après Guillaume le Conquérant, mais évidemment la ressemblance des noms fait sens, et ce guerrier va accompagner le héros, Aymar de Bois-Maury, lors de la première croisade, ou plus exactement dans une expédition qui suit de très très près la première croisade. Et vous voyez ici quelque chose d'un petit peu semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure, le personnage en réalisme hermanien, si je puis me permettre l'expression, entre en confrontation, ou bien en résonance, avec évidemment cette BD du XIe siècle qu'est la Tapisserie de Bayeux. Hein. Et donc, en quelque sorte, la Tapisserie de Bayeux, ici, sert de document pour attester de la vraisemblance de ce personnage inventé, de William, qui semble comme sourdre, comme sortir de la Tapisserie de Bayeux pour venir devant nous. Donc la Tapisserie de Bayeux fait aussi office non seulement de récit second, mais je dirais presque en même temps de récit matrice. Hein. Nous avons un petit peu le contraire de ce qu'on avait avec Corto Maltese, le personnage qui va rejoindre la frise, ici le personnage qui sort de la broderie, pour nous attester que ce qui va nous être raconté, c'est bien une histoire du XIe siècle. Mais il y a aussi, si j'ose dire, des contre-exemples. Voici une bande dessinée. Vous reconnaîtrez peut-être un style ici très proche, si vous connaissez des aventures d'Alix ou de Lefranc. C'est en effet un élève de Jacques Martin, le dessinateur d'Alix, qui dessine les aventures de Giovanni. Ce sera le sujet des diapositives 11 à 13.
Giovanni est un peintre de la Renaissance, enfin de la Renaissance italienne, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire c'est un peintre du XVe siècle, un peintre italien du XVe siècle, qui vient à la cour de Charles VII. Alors évidemment, c'est un personnage de la Renaissance qui vient au Moyen-Âge, en quelque sorte, puisque à cause de la différence des chronologies relatives, si j'ose dire, de l'Italie et de la France du XVe siècle. Et donc, vous le voyez, ici, le décalage des deux plans est rendu presque imperceptible. C'est-à-dire que l'effort du dessinateur pour essayer de distinguer une représentation médiévale, tardo-médiévale, de la distinguer de son premier plan narratif, ne me semble pas très réussi. Parce que bon, vous me direz, les perspectives des escaliers qui mènent à son enfer semblent un peu bizarres. Mais en même temps, regardez le pape qui est dans la marmite, là, il a déjà une position très, très renaissance, si j'ose dire, enfin très, très anatomiquement bien faite. Et donc, il me semble que le dessinateur Pleyers ici a raté une occasion de distinguer un premier plan du récit et de se plonger par ailleurs dans la naïveté, si j'ose dire, de la représentation médiévale, puisque ici les deux plans sont presque imperceptibles. En plus, vous voyez que les couleurs non plus n'aident pas à distinguer les deux plans, vous avez les mêmes rouges dans les deux cas. Et cette espèce d'impuissance qu'a Pleyers de se plonger finalement dans ce qui pourrait être pourtant une magnifique façon de mettre en abîme la représentation XVe siècle dans une narration réaliste moderne, nous le voyons de manière aussi un peu caricaturale. Alors excusez-moi, je vous montrerai pas trop d'images. Bon, la jeune fille est de dos, donc vous n'allez pas trop m'en vouloir. C'est des fois difficile dans la bande dessinée d'éviter les soupçons d'érotisme, surtout si on prend la bande dessinée des années 80-90. Étonnamment, la bande dessinée actuelle est un peu plus chaste que la bande dessinée des années 90. Dans les années 90, vous ne pouviez plus ouvrir une BD sans tomber sur une scène d'amour, ça devenait un petit peu lassant. Ici, vous avez la maîtresse. Alors c'est très compliqué, c'est une jeune fille qui est un peu la maîtresse du peintre, mais qui veut aussi devenir la maîtresse de Charles VII, et elle y parvient. Alors regardez, vous reconnaissez évidemment Agnès Sorel, une horrible scène d'iconoclasme. La jeune fille est jalouse d'Agnès Sorel et lacère son portrait et elle va le faire remplacer par un portrait d'elle-même qu'elle a commandé à son ami Giovanni et que Charles VII, vous voyez ici, va trouver quand même un petit peu fort de café. Alors, il y a quelque chose entre le Pont du Diable et Napoléon montant le Grand Saint-Bernard. Ça me semble un exemple tout à fait typique où l'auteur moderne a complètement raté l'immersion dans le XVe siècle en nous faisant croire que la représentation est exactement la même qu'aujourd'hui. Là, bon, en fait, peu importe, mais c'est tout à fait le contre-exemple de ce que je voudrais vous montrer ici. En même temps, c'est assez amusant, vous voyez le sens du paysage complètement romantique. Oui, effectivement, Charles VII a de quoi s'étonner. Beaucoup plus réussi, quoique de la même époque, mais aussi très tendancieux, un album que je n'hésite pas à considérer comme le chef-d'œuvre de la BD médiévalisante, le troisième album de la série des Compagnons du Crépuscule de François Bourgeon. François Bourgeon a fait trois albums qui nous plongent dans le XIVe siècle, dans la guerre de Cent Ans, et on ne peut pas dire que François Bourgeon cherche vraiment à se ressourcer dans l'illustration médiévale. De manière plus générale, il cherche à se ressourcer dans l'archéologie médiévale. Et j'aurais pu faire toute ma conférence sur Bourgeon en vous montrant comment des chapiteaux, détails architecturaux, des charpentes ou d'autres éléments ont été repris de manière extrêmement bien documentée. Daniel Alexandre Bidon en parlera encore bien mieux que moi. Je pense qu'elle a tout un dossier où toute la documentation de Bourgeon a été vraiment analysée au peigne fin. C'est un travail qui est non seulement de la magnifique BD, mais en plus, si vous voulez, l'acmé de cette tendance que je distinguais tout à l'heure de la BD qui se fait historisante dans les années 80. Vraiment, avec Bourgeon, nous avons un sens du détail archéologique qui devient extraordinaire et qui, par la virtuosité même du dessinateur, est un grand moment de bande dessinée. Quand il utilise les illustrations médiévales,
Alors, c'est beaucoup mieux que Players dans les exemples tout à l'heure. C'est néanmoins toujours avec une petite arrière-pensée quand même de faire prévaloir un esprit moderne et puis de les regarder avec une certaine distance. Mais je trouve extrêmement habile ici la façon dont la fresque que le moine est en train de peindre ici joue évidemment comme un contrepoint subtil, enfin subtil, ça on comprend assez vite le but évidemment, comme un contrepoint de la scène qui se passe devant, hein, ce diable qui ingurgite des personnages, ces diables qui essayent de sodomiser des damnés, et bien évidemment sont l'expression de fantasmes dont la jeune fille du premier blanc aimerait bien qu'ils soient bel et bien les fantasmes du petit moine, ce qui lui permettrait d'en venir, elle, à ses fins, un petit peu plus rapidement. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin, puisqu'il y en a déjà un. Donc les exemples que je vais vous montrer sont un tout petit peu graveleux, mais ils sont très subtils quand même. Par exemple, ici, je ne me souviens plus, mais on pourrait retrouver facilement d'où est tirée cette illustration. C'est un texte médical, je crois, du XIe siècle. Enfin, médical, j'en suis pas tout à fait sûr. Ou bien c'est ouais, bon, bref, une scène de castration, évidemment. Ce qui est très subtil, c'est la façon dont Bourgeon a mis son manuscrit derrière une grille. Et cette grille, en fait, c'est le gaufrier de la planche de BD. C'est-à-dire l'illustration est vue à travers une division en cases, qui n'est pas le fait de la pratique médiévale, mais qui est induite par la construction de la grille. Et donc un hommage de Bourgeon à la possibilité que l'art médiéval puisse renvoyer à la bande dessinée. Et le meilleur exemple, toujours dans le même album, est admirer au passage la reconstitution du scriptorium. Alors, un exemple très ambigu parce que il rend hommage en même temps à la pratique, mais d'un côté il rend hommage à l'enluminure médiévale et d'un autre côté il la moque et la raille par rapport à nos pratiques modernes. Vous voyez très bien, donc à la fin de la deuxième bande, une illustration là aussi bien connue, mais vous m'excuserez de ne pas vous en donner la référence exacte. Il existe un. Pardon? Merci beaucoup Daniel, j'étais sûr que vous auriez ça immédiatement à l'esprit. Une illustration, mais pourquoi est-elle là? Elle est là pour s'en moquer, parce que Bourgeon nous dit, vous voyez comme il savait mal l'anatomie, vous voyez que le Moyen Âge est décidément trop chrétien pour s'intéresser au corps de la femme, et c'est la jeune fille qui vient le montrer sans précaution spéciale au petit moine copiste. Il lui dit, on voit bien que t'as jamais vu un derrière de jeune fille en vrai. Regarde à quoi ça ressemble vraiment. Et évidemment, le dernier dessin de la case est là pour nous montrer à quel point ces pauvres enlumineurs médiévaux savaient mal leur travail, en fait. Donc, ici, évidemment, un hommage qui est singulièrement ambigu. Dernière illustration de Bourgeon, ici, et vous voyez avec une imitation d'écriture gothique, et une scène qui, sans l'imiter exactement, fait cette fois-ci référence et réellement hommage. Et là, je crois qu'il n'y a pas de leçon que donne Bourgeon en disant que l'enlumineur du Codex Manesen, c'est pas son travail. Ici, je crois que les deux scènes sont réellement à voir en parallèle et pour nous faire comprendre que il y a ici finalement, au contraire de ce qu'on vient de voir dans le manuscrit dont la cote vient d'être donnée, au contraire d'un manuscrit Manessé, une parfaite compréhension de la sensualité amoureuse que Bourgeon nous illustre à sa manière réaliste, moderne. Je n'ai pas le temps de parler beaucoup de la question des écritures, ce serait un sujet intéressant. Voici dans une bande dessinée qui s'appelle Les Sanguinaires, qui nous raconte les aventures des fils de Clotaire Ier, c'est-à-dire en gros qui met en BD les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry. Une première page ici qui essaye d'imiter le style de l'écriture mérovingienne. Les chartistes ici vont rire parce que je pense que tout le monde sait que l'écriture mérovingienne était loin d'être
être aussi facilement lisible que celle-ci. Mais enfin, et d'ailleurs, l'enluminure autour est plutôt évidemment celtique et irlandaise que mérovingienne. Mais enfin, il y a de l'idée, on va quand même pas trop le reprocher au dessinateur. Cela se trouve également sous forme de parodie. Je reviens à ce cher Gottlieb, qui écrit ici en gothique illisible, ou presque, Durandal. C'est une parodie de la chanson de Roland. Et avec ce petit détail, vous voyez l'épée Excalibur, et vous n'arrivez peut-être pas à lire en tout petit l'accessoiriste de cette histoire est viré. Car on ne va pas mettre Excalibur dans une histoire qui est censée s'appeler Durandal. Plus intéressant, plus subtil peut-être comme hommage, dans Le Génie des Alpages, BD qui n'a rien à voir de près ou de loin avec le Moyen-Âge, le dessinateur Fmur insère une histoire qui n'a rien à voir avec le reste des autres histoires, et il met deux pages intercalaires de couleur noire. Et alors, pour savoir s'il faut ou non mettre des pages intercalaires, il fait intervenir des petits moines copistes qui sont censés être les images du dessinateur. Et vous le voyez ici, ces petits moines copistes ont tous la tête de Tintin. Donc double hommage à la fois évidemment à la pratique médiévale, mais aussi à un ancêtre de la bande dessinée, comme Hergé peut déjà être senti dans les années 70, et avec tous ces petits Tintins qui comparent la confection d'une bande dessinée avec la confection d'une page manuscrite médiévale. Et ça, c'est finalement très intéressant, parce qu'effectivement, cela nous amène au plein cœur de ce que j'aimerais vous montrer ici, à savoir que finalement, dans une certaine pratique artisanale et aussi dans le partage des tâches, le manuscrit médiéval est singulièrement proche de la planche de bande dessinée, car dans la bande dessinée, comme dans le manuscrit médiéval, ce n'est pas forcément le même qui fait la réglure, qui dessine les cases, qui les met en couleur, qui ancre les textes, etc., etc. Et je crois que Fmur, ici, a bien compris en quoi la pratique du manuscrit médiéval, finalement, a aussi besoin de toute une équipe de petits Tintins ou de petits Mickey, comme on disait il y a 30 ans, pour construire sa page. Fmur, d'ailleurs, a quelques bandes dessinées qui se passent au Moyen-Âge, en particulier une révision assez drastique de l'histoire de Jeanne d'Arc, Jeanne au pied du mur, qui se poursuit d'ailleurs, et vous le voyez ici, dans les aventures de Tim Galère. Alors, j'ai pas le temps de vous expliciter ça en long et en large, mais vous le voyez ici, avec une reprise du roman de Renard, qui se fait sur fond de miniatures médiévales. Il y a un petit anachronisme s'il fallait être pinailleur, parce que vous voyez que ces fonds d'enluminure sont des fonds typiquement 14e siècle pour une histoire, le roman de Renard, qui est une histoire plutôt du 12e, 13e siècle, mais enfin là vraiment c'est un petit peu chercher des poux dans la tête du dessinateur. Ici on voit très clairement que le style figuré des fonds médiévaux, mais aussi la perspective un peu fantaisiste des constructions médiévales sert aussi un récit, mais un récit qui, vous le voyez, par les cadres qui sont tout autour, est ici encore un récit dans le récit. C'est-à-dire que j'ai trouvé quasiment aucune bande dessinée, je vous donnerai des exemples limites tout à la fin, pratiquement aucune bande dessinée que construite complètement sur un modèle médiéval. Mais ce que vont faire, ce que vont multiplier les dessinateurs, et c'est un hommage très intéressant, c'est de montrer que quand un récit médiéval qui se passe au Moyen-Âge raconte un récit, eh bien il va le faire sur un mode médiévalisant, à titre de pastiche ou tout simplement à titre de récit second. Donc on va reprendre ce qu'on a vu déjà chez Corto Maltese, et par là, la bande dessinée va montrer son allégeance et sa proximité avec les modes de représentation médiévaux. Il est intéressant de voir que c'est quelque chose que l'on ne fait pas avec la BD antiquisante. Je n'ai pas trouvé de bande dessinée qui se passe dans l'Antiquité et dont les récits internes seraient par exemple en type Frise du Parthénon ou bien Papyrus des Maures égyptiens. Donc là, je crois qu'il y a vraiment, pas plus que des récits qui se passeraient au XVIIe siècle, qui seraient ou même au XIXe, qui feraient par exemple les récits internes en images d'Épinal. C'est pas impossible, et c'est peut-être les lacunes de ma documentation. Mais je remarque quand même, et c'est ma thèse ici, que
quand il s'agit d'une BD médiévalisante, se ressourcer dans les pratiques médiévales pour le récit second est presque un réflexe des dessinateurs. Une façon de se rendre compte que, finalement, le rare est vraiment préfiguré, et peut-être plus que préfiguré, simplement déjà accompli à certains égards dans la période médiévale. Un dessinateur très intéressant, dont je vais vous montrer maintenant plusieurs illustrations très différentes, c'est un dessinateur assez ancien, c'est François Cranhals, qui est un dessinateur qui commence sa carrière dans les années 60, l'auteur de Chevalier Ardent. Il y a une vingtaine d'albums de Chevalier Ardent qui sont de prime abord de la BD d'aventure assez classique, dans un style réaliste moyen, pourrait-on dire, qui se ressent encore de l'atmosphère idéalisante de la BD d'avant les années 70. En même temps, la documentation historique dans certains albums est relativement bien fournie, et puis certains albums vont aussi du côté d'une certaine fantasmagorie. Donc Chevalier Ardent est une BD finalement relativement difficile à classer. Il y a, bien qu'elle soit ancrée en gros dans l'atmosphère un peu idéalisante de ce que j'appelle ma première période, elle déborde aussi un petit peu sur les deux autres. Et surtout, c'est étonnamment une des premières BD, et surtout une des plus inventives dans le réemploi des formules médiévales. Vous voyez ici par exemple un récit sous forme de frise. Hein. Évidemment, un récit tellement détaillé, évidemment, aucune frise médiévale ne ressemble exactement à celle-là. Hein. Mais enfin, c'est le récit qu'il veut raconter, et finalement, aucune importance que cette frise ne fasse pas référence précise, elle sert le récit. Cranhals l'invente de toutes pièces, et ça lui arrive naturellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le même récit, à la page suivante, pour varier les effets, va se trouver sous forme de vitrail. Voici du néo-vitrail. Ça ressemble plus à du vitrail du XVIe siècle, voire à certains égards, je dirais même du XVIIe, avec ses divisions quand même très petites, et une recherche anatomique, je dirais, déjà relativement soignée, qu'à un vitrail de Chartres. Bon, ici aussi, ne mégotons peut-être pas sur les époques. L'intérêt est que Cranhals trouve intéressant et surtout efficace cette forme de figuration. Il y a même une histoire qui se passe en Orient et où Cranhals reprend un mode de figuration un peu persan. Alors, c'est moins bien fait que la bataille de Zilehérum de Hergé, mais on voit aussi assez bien l'inspiration. Et vous voyez dans la dernière case le contraste avec le réalisme cranhalsien qui est quand même assez fort ici. Et puis l'exemple peut-être le plus intéressant, et qui est même tout à fait fascinant, et je me demande ce que Cranhals connaissait exactement la littérature du Moyen-Âge, peut-être d'ailleurs que la littérature de l'Antiquité aurait pu lui suffire, car c'est une fable d'Ovide qui est rappelée ici, fable d'Ovide reprise par Chrétien de Troyes. En effet, le personnage aux yeux cernés, visiblement mal en point au début, est une femme qui a été martyrisée, torturée, à qui on a arraché la langue. Et comment fait-elle pour expliquer son histoire, puisqu'elle ne peut plus parler, elle le dessine. Elle montre à Chevalier Ardent une bande dessinée qui raconte ses aventures. Alors, je ne sais pas si Cranhals connaissait l'histoire de Philoména, mais s'il ne la connaissait pas, c'est encore plus beau, car vous savez que dans ce conte de Philoména, écrit au XIIe siècle par Chrétien de Troyes, repris d'Ovide, Philoména, à qui on a coupé la langue, brode son histoire de telle manière à ce qu'on peut identifier son persécuteur. C'est exactement le même procédé, et vous voyez qu'ici, que Cranhals ait pensé ou non à Chrétien de Troyes, l'exemple de Chrétien de Troyes nous force à admettre que le procédé est parfaitement crédible. Et vous voyez ici, évidemment, un réalisme médiéval, si j'ose dire, tout à fait à l'opposé du réalisme presque photographique du style de Cranhals. Alors j'ai ici, je ne vais pas faire trop long parce que c'est bientôt 6 heures, hein, donc je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement sur les autres exemples. Je passe à l'exemple 26, le cimetière des cathédrales de Andreas, c'est une histoire assez rocambolesque, ce sont des hérétiques de la fin du début du XVIe siècle, donc on est à la limite de la Renaissance et du Moyen-Âge, qui ont fui en Amérique du Sud et qui ont bâti dans la jungle amazonienne des immenses cathédrales. Si j'avais le temps, je vous montrerais les cathédrales telles que les dessine Andreas, le dessinateur. Nous sommes dans la fantasmagorie la plus extraordinaire. Mais vous voyez un récit interne ici sur couleur parchemin,
pour nous raconter cette histoire passée 5 siècles avant. Et le personnage qui a l'air d'assez bien encore se porter, qui raconte l'histoire, en fait, il est maintenu en vie par le labyrinthe d'une des cathédrales qui, comme vous le savez tous, évidemment, reproduit les rayons, se recharge d'énergie vitale sur les rayons telluriques, c'est bien connu. Dans une bande dessinée très réaliste aussi dans son dessin, même plus que celle d'Andreas où vous avez vu que les personnages étaient assez anguleux, une BD qui a fait le buzz, si j'ose dire, aux alentours de l'an 2000, Le Troisième Testament, où le héros ressemble à Sean Connery, on dirait qu'il l'a repris dans Le Nom de la Rose. Là aussi, vous le voyez, un récit interne, qui est subtil parce que ce n'est pas seulement le récit, mais c'est d'abord un livre. Et on passe progressivement de l'initial à l'enluminure, puis aux enluminures internes du récit et du manuscrit. Avec un réalisme un peu italien, il me semble reconnaître quelque chose de la fresque du Bon Gouvernement des Frères Lorenzetti du Palais de Sienne dans l'enluminure du bas. Donc voilà, enluminure ou fresque, enfin on est au XIVe siècle, on ne va pas non plus tout à fait chipoter. Encore une fois, ce qui est important, c'est le contraste que ces récits font avec le réalisme interne de la BD. Et c'est très intéressant, même quand la BD est dans un style très caricatural, comme vous le voyez ici, hein, la première bande est dans le style normal de cette reprise très belle par Nathalie Ferlu du Bel Inconnu, et bien malgré tout, la dessinatrice trouve encore le moyen de faire un contraste avec le récit interne, qui est dans un récit encore plus stéréotypé que le récit cadre. Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, qu'il n'est pas besoin d'avoir un style plus ou moins réaliste, il suffit finalement d'un contraste de style pour que le phénomène marche. Ça se passe aussi avec des styles de type celtique. Dans la très belle BD de Chauvel, Le Reculé et Simon, Arthur, une épopée celtique, qui reprend toute la matière arthurienne, mais en la celtisant, en la re-celtisant. C'est une BD, vous voyez, à cheval sur les années 90 et les années 2000. Elle se ressent encore de l'historicisme de la période précédente, avec un essai de reconstitution de la période archaïque celtique, mais qui va déjà vers quelque chose de plus fantasmagorique, de plus Seigneur des Anneaux, si vous le voulez, car évidemment on ne peut pas tout reproduire. Et ici, un récit cadre, donc dans un réalisme, vous voyez, assez fouillé, hein, au niveau des textures, et un récit interne dans une sorte d'illustration celtisante, et évidemment extrêmement schématisée. Pour rester dans le celtisant, une jolie BD d'après un dessin animé qui est le Brendan et le secret de Kells, c'est sorti il y a 6 ans, vous avez peut-être vu ça au cinéma. C'est la très belle histoire d'un jeune moine qui est l'auteur du livre de Kells. Et donc c'est toute la construction de ce livre de Kells, avec ses extraordinaires miniatures qui est ici raconté, et avec des récits internes qui échappent justement au réalisme kelsien, si vous voulez, quoique, hein, vous voyez, nous avons des dessins presque un petit peu enfantins ici, on les voit peut-être pas très bien de loin, un petit peu comme des dessins à la craie sur des ardoises, et qui montrent aussi le récit interne. Alors, un exemple un tout petit peu différent, une BD qui se passe en Amérique du Sud, dans une Amérique un peu précolombienne. Alors je reste au Moyen-Âge, si vous voulez, en faisant un écart géographique assez important. Mais là, nous avons évidemment quelque chose qui échappe quand même à la figuration occidentale, mais vous voyez ici, même type de récit en réalisme maya, si vous voulez, à l'intérieur d'un récit par ailleurs, dans un style réaliste assez fort. Alors je termine avec trois bandes dessinées qui me semblent essayer d'aller un tout petit peu plus loin. D'une part, ici, une mise en BD de la farce de Maître Patelin. Alors ici, il n'y a pas de récit interne, mais certaines cases, tout d'un coup,
nous plonge de plein pied dans une représentation médiévalisante. Vous le voyez en particulier avec la première case de l'exemple que je vous donne ici. Tout d'un coup, la représentation de la ville, ici, devient mimétique d'une représentation médiévale presque sans distance. Et puis, dans la deuxième image, on quitte un peu cette représentation, puis enfin dans la troisième, avec la représentation frontale du personnage, et encore plus dans la quatrième, avec la représentation de trois quarts, on quitte, et je dirais progressivement, cette représentation médiévale, mais tout en restant dans un dessin volontairement gauche, volontairement simplifié, où finalement le contraste stylistique se fait presque indiscernable, et avec une reconnaissance vraiment que on pourrait peut-être, pour approcher vraiment le Moyen-Âge, il faudrait essayer d'en retrouver encore plus exactement les codes que ne le fait d'habitude la bande dessinée. Une BD qui vient de sortir, ici je donne juste deux cases. En fait, c'est la première montre ce qu'est cette bande dessinée, la deuxième ce qu'elle aurait pu être. La deuxième illustration, elle se trouve sur la quatrième de couverture, elle reprend donc une illustration de l'intérieur du livre, et elle nous dessine en quelque sorte en creux ce qu'aurait été la même scène, mais peinte dans un style plus naïf. Finalement, le dessinateur, si j'ose dire, a renoncé, mais il nous montre qu'il suffit peut-être de peu de choses pour que la représentation BD puisse se coller sur une représentation censément médiévale. Et enfin, je termine avec une des bandes dessinées les plus étranges de mon corpus. C'est une BD sortie il y a 10 ans qui s'appelle Sine qua non, N-O-2-N-E-S, qui est entièrement en latin. Bon, elle est presque entièrement muette, avec quelques phylactères latins par-ci par-là. Il y a un moment, je crois, un chien qui fait bao bao, ou deux trois choses comme ça, quelques exclamations liturgiques, et voilà, ben, j'ai dit justement ici exclamatio. Vous voyez, dans le phylactère, un phylactère à la médiévale, et évidemment il faut comprendre, l'exclamation est à la place d'un cri de douleur, et la nonne qui voit tout d'un coup lui arriver des stigmates. Et ce sera une histoire assez sanguinolente d'ailleurs, où on va voir ce recueil de petites histoires, ce sine qua non. Ici on a un exemple extrême de BD qui essaye vraiment, enfin est-ce que c'est une représentation médiévale? Au fond, nous flirtons aussi un peu avec la représentation Renaissance, nous sommes là plutôt dans la gravure sur bois 15e siècle plutôt que dans la miniature médiévale proprement dite, mais enfin nous sommes quand même dans quelque chose qui essaye, dans une bande dessinée qu'on peut vraiment dire expérimentale, de voir si une succession de vignettes médiévalisantes peut contribuer à faire une BD parfaitement lisible. J'en ai terminé avec mes exemples, et à titre de conclusion, j'aimerais juste ouvrir la question vers la question finalement des représentations, des régimes de représentation, pour utiliser un vocabulaire un peu foucauldien. C'est-à-dire que, au fond, et c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, notre époque a une assez forte conscience qu'elle renoue, après ce que Marshall McLuhan dans la galaxie Gutenberg appelait l'âge de l'imprimé, qu'elle renoue avec quelque chose de peut-être plus primitif. Hein, vous savez, pour McLuhan, il y a trois âges. Il y a l'âge du manuscrit jusqu'à Gutenberg, puis il y a l'âge de l'imprimé. Et puis, selon lui, on était déjà dans les années 60 en train de sortir de cet âge de l'imprimé pour aller vers quelque chose, vers une civilisation qui revient à l'oralité. Et pour McLuhan, la télévision était le signe de ce retour à l'oralité. Et évidemment, ensuite, McLuhan, dans les années 80-90, a connu une certaine éclipse, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était quand même relativement difficile de faire renaître une nouvelle civilisation humaniste à l'aide de la seule télévision. Mais, l'explosion de l'informatique et d'Internet, évidemment, les thèses McLuhaniennes sont revenues sur le devant de la scène, et on en revient à cette idée que finalement, notre époque est moins inféodée à l'écrit roi, à une représentation uniquement typographique du monde. J'enchaîne exactement sur ce que monsieur le directeur disait tout à l'heure. Finalement, la couleur est revenue. Hein. Je crois que la couleur est presque au XXe siècle une invention des années 60, à bien des égards. La couleur est revenue, certains types de narration, certains types d'oralité. Et je crois que l'explosion de la BD au carrefour des années 60 et 70 est un des grands signes d'un changement de civilisation majeur.
Et le fait que la bande dessinée, justement, quand elle traite du Moyen-Âge, se retrouve comme tout naturellement chez elle dans ses codes, me semble quelque chose qui me semblait intéressant de souligner ici. Voilà, je vous remercie. Peut-être avez-vous fait un choix particulier en élaborant votre corpus, mais toutes ces images me frappent par leur extrême culture. À un moment, dans les toutes premières, on voit une des phrases du carré magique, par exemple. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le carré magique. Alors, on a l'impression à la fois d'un jeu avec le lecteur, peut-être pour le mystifier, et en même temps d'une volonté de ne pas faire de concessions. Et je m'interroge sur la réception. Qu'en retient le lecteur ordinaire? Quel est le tirage, d'ailleurs, de tout cela? Est-ce qu'on peut avoir des indications? Je dirais que la culture des auteurs de bande dessinée est très variable, évidemment. Elle se heurte des fois des problèmes de rentabilité, justement. J'ai été amené cet été à faire un texte pour une exposition qui a eu lieu sur le lac Léman à Ivoire, sur le costume médiéval, et on m'a donné un certain nombre de BD qui sont des BD de vulgarisation sur l'histoire de la Savoie, et en me demandant est-ce que ces BD rendent bien compte du costume médiéval. Et j'ai été un peu déçu. Je me suis rendu compte que, au fond, à une exception près, qui n'était d'ailleurs même pas la plus récente, ces bandes dessinées considérées et qui racontaient pour la plupart l'histoire de la Savoie, donc de l'Antiquité à nos jours, tenaient assez peu compte de l'évolution du costume, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans le Moyen-Âge, on mélange un peu les choses. Et aujourd'hui encore, les dessinateurs de BD sont loin d'être tous d'une rigueur absolue quand ils se situent à une époque. J'ai dit tout à l'heure, évidemment, là je me moquais un petit peu de certains dessinateurs, est-ce qu'on va illustrer une histoire du XIIe siècle avec une figuration narrative du XIVe? Bon, c'est peu de choses. Et puis là n'est pas la question. Mais ce que je voulais dire, c'est que au fond, quand on va y regarder très près, Daniel Alexandre Bidon en parlera là aussi beaucoup mieux que moi, on a des surprises, de très bonnes surprises là où on ne s'y attend pas, et de très mauvaises là où on espérerait avoir des... Vous êtes d'accord, Daniel, hein, et de très mauvaises surprises là où on pensait que les gens étaient bien renseignés. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai pas voulu... l'anachronisme m'intéresse assez peu. Hein, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité du modèle médiéval dans la BD d'aujourd'hui. Et cette efficacité, elle est revendiquée, elle est tout à fait évidente. Et la culture des dessinateurs, c'est souvent une culture de bric et de broc. Mais c'est souvent des gens très curieux, iconologiquement, les dessinateurs de bande dessinée. C'est souvent des gens qui ont vu plein de choses. Alors des fois, ils les mélangent un petit peu. Mais c'est souvent... là, par exemple, je trouve que... On pourrait bien montrer en quoi certains détails de représentation sont impossibles dans un bas-relief du XIIe siècle ou du XIe. Bon, mais en même temps, on ne cherche pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que de prime abord, ça marche, et puis c'est efficace. On comprend tout de suite ce que... tout comme je disais tout à l'heure, là, s'il fallait dater ce vitrail, on serait un petit peu en peine. Des costumes au XIIIe siècle dans une vitraillisation, si j'ose dire, plutôt XVIe. Bon, je dirais que dans tous les exemples que j'ai donnés, ces questions d'anachronisme sont secondaires. Mais ce qui est intéressant, c'est comme vous dites, la culture, en tout cas la très grande curiosité que nous montrent sans aucun doute tous ces dessinateurs. Et puis finalement, c'est des choses qui font aussi réfléchir les lecteurs par exemple, justement un peu cultivé, mais qui a une certaine idée, une vague idée de l'anachronisme, pourrait trouver que cette scène est absurde. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est exactement ce que raconte Chrétien de Troyes dans Philomena. Donc, au-delà de l'absurde, c'est tout le contraire d'une absurdité.
Mais des fois, il y a des choses étonnantes. Au cinéma, par exemple, dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, il y a des casques anglais très plats. Et les spectateurs de l'époque ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces casques du XXe siècle dans La Passion de Jeanne d'Arc? Or, ce sont bel et bien, c'est effectivement les casques des soldats anglais du XXe siècle, mais c'est aussi ceux du XVe. Donc là aussi, faut toujours être très prudent dans la recherche des anachronismes. Et puis si on en tient justement plutôt à la question épistémologique des régimes d'écriture et de signification, finalement, je crois que les dessinateurs de BD ont un instinct très sûr de ce que signifiait et de ce dont était capable la figuration médiévale. Il y a un exemple extraordinaire que vous avez montré, c'est la scène de bataille d'Hergé. On a l'impression que le cheval provient exactement de l'autre, de la scène que vous nous avez montrée dans le mineur. En fait, j'ai fait une recherche rapide sur Internet. C'est très facile de trouver des illustrations, mais je crois que c'est la bonne. Mais on en trouverait d'autres. Mais là, je pense que c'est... Là, je pense que c'est son inspiration, assez clairement. Ouais. Je voudrais poser une question sur la fabrication, parce que j'ai porté ici une bande dessinée relative à Marco Polo, qui a été faite chez Glénat, le grand fournisseur. Ah oui, je crois que je vois, c'est une de ses collections. Attendez, le vent de... Non, c'est... C'est le tome. Il y a deux volumes. Et là, j'observe que dans la fabrication apparaissent pour le scénario deux noms, Éric Adam et Didier Convard, et puis un autre pour le dessin, Fabio Bono, et enfin un quatrième pour la couleur, Dimitri Fogolin. Ouais. Alors, est-ce que c'est habituel qu'il y ait un dessinateur, un concepteur de cette manière-là? Absolument. Absolument, c'est même de plus en plus fréquent parce que la BD s'industrialisant de plus en plus, on procède de plus en plus au partage des tâches. Mais comme je le disais tout à l'heure, finalement c'est un partage qui est aussi médiéval. On sait que dans le manuscrit, là aussi pour gagner du temps d'ailleurs, il y en a un qui faisait la réglure, suivant, on le voit très bien avec des manuscrits parfaitement calligraphiés mais dont manquent les enluminures, faute de minium, faute d'enlumineur, faute de je ne sais quoi, faute d'argent pour le payer. Donc, alors bon, évidemment, la BD étant industrialisée, quand on n'avait plus d'argent pour les dessinateurs, ben, on n'a pas fait paraître la BD, c'est tout. Hein, mais par contre, dans la pratique médiévale, on a toutes les étapes, tous les ratés sont encore visibles. Mais effectivement, et on a vu d'ailleurs, je dirais ces 10 dernières années, l'émergence d'une catégorie qui existait, mais qui jusqu'ici n'était pas reconnue, celle du coloriste. Pendant très longtemps, on ne disait pas qui avait fait les couleurs, et puis on s'est mis à mettre vaguement couleur studio machin, il y avait le studio Leonardo, il y avait des espèces d'acronymes, et depuis je dirais une dizaine d'années, le coloriste a acquis le droit de mettre son nom. En fait, on a vécu la même chose il y a 50 ans pour les scénaristes, et le grand auteur qui a fait reconnaître les droits des scénaristes, ce n'est personne d'autre que Goscinny. Il faut savoir, si vous aimez les aventures de Lucky Luke, que le nom de Goscinny comme scénariste ne se trouve qu'à partir du 19e Lucky Luke, Les Rivaux de Penfield Gulch, alors que Goscinny scénarisait la série déjà depuis le numéro 9 des Rails sur la Prairie. Et donc pendant 10 numéros, le dessinateur Maurice a tout simplement interdit à Goscinny de mettre son nom, parce qu'il estimait que la BD était de lui, c'est lui qui avait créé Lucky Luke, c'est lui qui le dessinait, et puis... Il voulait bien donner un peu d'argent sous la main à son scénariste, mais quitte à le mettre sur la couverture, il fallait quand même pas pousser. Et donc toute l'histoire de la BD est aussi l'histoire d'une progressive reconnaissance des petits métiers, enfin des divers acteurs qui en sont les artisans. Alors bien sûr, il y a des BD que certains dessinateurs font tout seuls. Il y a évidemment l'exemple d'Hergé, encore que. C'est au début qu'Hergé faisait ses BD tout seul. On sait qu'ensuite, il s'est entouré d'une armada de coloristes, de metteurs en net, de metteurs en page. Mais donc, jusqu'au bout, Hergé au moins fait lui-même tout le scénario et au moins tous les premiers crayonnés des dessins. Mais de tels auteurs, par exemple,
je dirais quand même parmi les meilleurs auteurs, il y a ceux qui font le plus possible eux-mêmes. Quelqu'un comme Herman ou quelqu'un comme Bourgeon, ils ont fait les dessins et le scénario eux-mêmes. C'est le partage extrême des tâches est généralement dommageable à la qualité de la BD, mais là je ne vais pas entrer dans la polémique. Mais par exemple, on a des séries maintenant qui sont tellement industrielles qu'on les prévoit en plusieurs tomes qui racontent des histoires toutes différentes. Alors là, on met même plusieurs scénaristes sur le coup en même temps, c'est-à-dire le scénariste du tome 1 travaille en parallèle du scénariste du tome 2 et du scénariste du tome 3, pour que il y a aussi trois dessinateurs différents pour que les trois albums puissent sortir plus vite. Là, on est dans une spirale un peu aberrante, mais enfin bon, ça c'est... Donc il y a des parallèles avec la pratique médiévale, en même temps c'est de l'industrialisation et c'est aussi le contraire, mais les parallèles sont intéressants. Oui. Merci. J'avais une question pour quelque chose d'assez précis, puisque on observe qu'il y a quand même on retrouve beaucoup d'écrits manuscrits dans les BD médiévalisantes, que ce soit des phylactères, des parchemins roulés. Je ne sais pas si j'en ai vu précisément dans ce que vous avez montré. Je n'ai pas insisté trop là-dessus parce que ça m'aurait trop rallongé. Mais j'en ai montré quelques-uns. Dans Excalibur, Là, vous en voyez un petit bout. C'est assez fantaisiste hein, comme écriture. Là, ça fait plutôt... Ça ressemble à une gothique, mais passablement un peu une gothique sous LSD, je trouve. Là, c'est mieux, je trouve. Là, ça me semble assez bien. Mais sinon, ma question, c'était même plus précisément, non pas simplement le manuscrit en tant qu'écriture, mais le manuscrit comme support, ou le parchemin roulé, un petit peu le rouleau. Et en fait, c'est un peu une suggestion, une question. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans la BD médiévalisante, ça a rappelé le Moyen-Âge, ça a rappelé l'histoire, tandis que quand on regarde le symbolisme des enluminures, et en particulier des enluminures chrétiennes, ça rapporte la parole divine, la vérité. Mm-hmm. Et du coup, je me demandais si vous aviez des hypothèses là-dessus, ou c'est un peu ce sur quoi je travaille, parce que j'ai l'impression qu'il y a un glissement de symboles entre le parchemin qu'on va tenir souvent dans les Bibles et entre le parchemin qu'on va tenir dans une BD médiévalisante qui, là, est aussi un symbole d'autorité, mais plus du tout un symbole d'autorité divine, en fait, mais plutôt d'autorité peut-être historique. Je pense que la BD d'aujourd'hui est une BD assez laïque. Oui, c'est-à-dire si vous cherchez de la BD catholique, faut remonter assez loin. Hein? Donc, en fait, il y en a toujours. Vous avez toujours des BD qui se veulent un peu édifiantes. Mais ce sont souvent, je trouve, des BD plutôt de deuxième zone aujourd'hui. Et c'est pas tellement dans ces BD-là que vous verrez des choses expérimentales comme j'ai essayé de les montrer ici. Et donc, effectivement, à partir du moment, donc je le disais, ce passage du premier au deuxième âge de la BD, c'est aussi le passage à une BD nettement moins inféodée aux religieux. Et vous avez effectivement quand il y a des manuscrits, effectivement, ce sont souvent des manuscrits documentaires, enfin historiques, enfin, disons, ce qu'on appelle documentaires aujourd'hui, mais des chartes, vous avez des histoires, vous avez des complots qui tournent autour de manuscrits plus ou moins falsifiés. La représentation de la Bible ou de livres chrétiens, c'est pas très évident. Par exemple, il est très clair chez Bourgeon que la Bible, ça l'intéresse pas quand il montre des manuscrits. C'est des choses qui peuvent un peu titiller l'imagination du lecteur moderne, donc pour le dire vulgairement, des choses un peu cochons, hein, comme on le voit ici ou comme on le voit là. C'est ça qui l'amuse dans les manuscrits, mais que le manuscrit puisse être la parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Et je trouve ça en fait assez troublant de voir que la BD réinvestit un territoire qui était sacré et évacue en partie cette dimension-là pour en faire quelque chose de très nouveau.
La BD, c'est l'aventure quand même, hein, et c'est une aventure qui... Vous avez des histoires d'une laïcité invraisemblable. Il y a une série qui s'appelle L'Étoile polaire, ça se passe à l'époque de Louis VII, et vous avez Louis VII qui se fait enlever par deux sbires, qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être, qui ne pensent pas une seule seconde au concept de la sacralité de la personne du roi. Hein, donc ils l'enlèvent comme ils enlèveraient un vulgaire milliardaire. Je veux dire, c'est... Ça m'a beaucoup choqué, parce que là, il y a une invraisemblance majeure de mentalité. Mais c'est très typique de la mode dessinée médiévalisante, réaliste, du tout venant. J'ai juste vu, par contre, dans la réécriture du Décaméron de Vanoli, où là, c'est quand même assez intéressant, j'ai trouvé le... Il y a des choses... Ah, c'est très bien, le Décaméron de Vanoli. Mais je ne l'ai pas encore regardé de très près, mais on m'a commandé un article là-dessus, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu de très près. Mais là, on est évidemment dans de l'excellente BD. Et donc, mais disons, de manière générale, des BD qui tiendraient compte de cette dimension chrétienne de la société médiévale. Je vous renvoie à Thierry Droyaumont. C'est une magnifique BD des années 60. Alors là, c'est hyper catho, hein. C'est vraiment bon sentiment, mais c'est aussi de la sacrée aventure. Ça, c'est réussi. Ça a été réédité aux éditions du Triomphe, mais ça appartient complètement à ce que j'appelle le premier âge de la BD. Hein, mais il y a un mélange. Il y a près des histoires de super-héros là-dedans. Vous avez des personnages de méchants, tellement méchants qu'ils ont des capes complètement invraisemblables. Donc, curieux mélange d'édification catholique et de super-héros, pas tout à fait, disons un peu à l'américaine années 60, si vous voulez, avec des souterrains, des choses comme ça. Thierry Droyaumont, je vous la conseille. Mais est-ce qu'il y a des... Alors là, vous avez des allusions à la sacralité. Mais même là, je trouve qu'il sacrifie quand même beaucoup à l'aventure. On ne peut pas tout avoir. Non. D'autres questions ? Moi, je peux prendre la parole alors. J'avais une question. Il y a quand même de plus en plus d'allers-retours entre le film d'animation et la BD. Et oui. Et dans les deux sens d'ailleurs, hein. Ça peut commencer par le film d'animation avant de devenir de la BD, comme Brandan et le secret de Kells ou l'inverse. Je voulais y revenir à ça, oui. Et je voulais savoir si il y avait des différences justement d'utilisation de l'image médiévale. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de cas forcément, ça doit être assez... J'ai pas assez regardé là, il faudrait demander à M. Ami de la Bretèque, mais il parle pas des dessins animés dans son livre. Mais j'ai pas regardé ça de très près non plus. J'avais vu le dessin animé de Brendan, qui est très beau d'ailleurs, et dans lequel effectivement une certaine ambiance très oppressante et par là soi-disant très médiévale, ça fait jour, oui, tout à fait. Mais je connais pas d'autres cas. Il faudrait regarder ça de plus près. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bien, sinon, nous te remercions encore pour ton exposé, très stimulant. Merci beaucoup.